Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs. Bon, bah cette vidéo sera sur la visite de Cadix sous la pluie. Mais lorsque je parle de pluie, c'est vraiment de la pluie pendant plus de 3 jours. Bon, bref, après le soleil a quand même réapparu. Allez, bon visionnage! Non mais dis donc toi, tu n'aurais pas oublié de t'abonner? Allez, un petit clic! Bonjour à tous. Bon, bah, je suis à 5 km de Cadix, enfin du centre. J'ai passé la nuit là et je suis sur un parking juste en face de la gare, comment dire, métro aérien, on va dire, qui nous emmène jusqu'au centre de Cadix. Donc c'est ce que je vais prendre. Je vais laisser Yellow ici. Allez, je vous montre ça. Et puis je suis entourée de gros porteurs là, hein. Belges et français. Purée. Et puis Yellow, il est tout là-bas derrière le gros camion rouge. Donc, ce que je disais, oui, la gare métro aérien, c'est juste ce bâtiment-là. Donc vraiment, je suis pas loin, hein. Ce qui permet de me rendre directement au centre de Cadix. Bon, aujourd'hui, hein, vous avez vu le temps, inutile de le dire que c'est bien pourri encore une fois. Voilà, je suis même pas à 20 mètres de la gare. J'ai pas trop mal dormi, hein. Malgré la circulation, tout ça, franchement. Bon, allez, je vais sur les quais. À 11h01, j'ai encore 5 minutes à attendre. Bon, bah, on va attendre. Bon, bah voilà le métro ou le RER ou le TER. Après, on va dire que nos petits diesels polluent. Quand tu vois ces géants de la mer. Bon, ben voilà, je suis arrivée dans le centre de Cadix. Et ben, je vais aller visiter les petits trucs. Alors là, je suis arrivée à la cathédrale de Cadix. Non mais regardez-moi ces deux arbres. Il y en a deux, hein. Oh, oh là 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 là. Incroyable. Alors là, je me trouve devant le château de la Santa Catalina. Je vais essayer d'y rentrer.
soleil est en train de percer un petit peu. Ah, déjà, il pleut plus. Ah si, encore quelques gouttes. Mais déjà, c'est quand même un peu plus sympathique. Ah, je suis toujours au château Santa. Bon, je suis toujours au château. Je vais faire une mission, c'est d'aller faire pipi. Parce que ça me tient depuis je ne sais combien de temps là. Là, j'ai vu qu'il y avait les toilettes. Alors, je ne vais pas me gêner. Hein. Parce que j'ai essayé les toilettes publiques, mais il faut une pièce de 20 centimes. Et bien sûr, je n'ai pas les 20 centimes. À la limite de l'Atlantique. Donc voilà pourquoi. Putain, il est vraiment... C'est marée basse. Voilà. Donc j'ai basculé du côté méditerranéen au côté atlantique. Ça sent l'iode, on se croirait presque en Bretagne. Bon, malheureusement, j'ai bien l'impression que c'est fermé. Oh, j'ai fait tout ça pour rien. Je vais regarder s'il y a des horaires. De toute façon, j'ai trop faim, moi je vais les manger. Et ben voilà, fermé. J'ai fait toute cette marche pour rien. Bon, bah tant pis. Hein. C'est bien dommage. Ça avait l'air d'être sympa. Bon, on va essayer de se trouver un petit restaurant. Je devrais trouver ça, hein. J'ai faim. J'ai cassé le pied. Donc j'ai un caméra comme ça. Ça fait le deuxième déjà. Bon. Il va falloir que j'investisse de nouveau. Et ouais, ça c'est bien typique. L'Andalouse. J'attends le train pour rentrer retrouver Yellow. Voilà. Voilà, c'était bien sympa cette petite visite de Cadix. Je suis bien contente de l'avoir fait. Je suis bien contente de l'avoir fait. Voilà. Je suis dans le train. Tout le monde me regarde. Voilà, j'ai quitté Cadix, j'ai changé de coin, je vois être même pas une dizaine de kilomètres de Cadix. Super visite, franchement, une belle ville. Hein. Et là, j'ai trouvé ce petit spot, Yellow est garé juste là derrière, et avec une belle plage. Voilà, comme ils annoncent beaucoup de pluie demain, ben, je pense peut-être y rester, je vais voir. Ou alors, je sais pas, franchement, avec ce temps, c'est difficile. Alors, tout à l'heure, j'ai lancé le drone, parce que là, on voit, je sais pas si vous voyez, mais le pont de Cadix, là. Et donc, j'ai voulu filmer ça. Ah, je sais pas, 10 secondes après que j'ai mis le petit drone en l'air, là, oh, les mouettes qui sont arrivées dessus.
Ils ont voulu... ils l'ont chassé, quoi. Donc, je l'ai vite ramené et j'ose même plus le mettre en l'air. Parce que là, il n'y a plus de mouette, il n'y a plus rien. Ils sont tous venus à ce moment-là. Mais il le coursait, hein. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Donc, bon, comme je ne tiens pas qu'il le foute en l'air... Donc du coup je l'ai rangé, voilà, pour ça que je prends la caméra. Bon, en tout cas, je passe la soirée ici, fin de l'après-midi, soirée ici, et on voit quand même que le ciel est un peu menaçant. Hein, on voit quand même que le ciel est menaçant. Hein. Ah. Bon, et je crois que la tempête arrive. Bon, effectivement, le soleil s'est terminé. Il a fait très lourd, donc c'est un bel orage qui nous arrive dessus. Bonjour à tous. Bon, voilà, il a plu toute la journée hier, toute la nuit. Et là, il y a une petite accalmie, mais bon, de toute façon, faut pas se leurrer. Si vous regardez bien le ciel, ça va retomber. Donc hier, j'étais garée, je vais vous montrer ça, ici. Non, je suis pas au bord d'un lac. Je sais pas, il y a plein de klaxons, là. Je suis pas au bord d'un lac et heureusement hier j'ai changé, en fin d'après-midi j'ai changé de place parce que ici je voyais rien, je voyais pas la mer et comme ça s'est libéré les places, et j'ai été me mettre là, heureusement. Ouais, c'est sûr que la vue est quand même plus agréable comme ça, hein. Ce que je me dis, changer de coin c'est bien, ouais je peux changer de coin, ça c'est sûr. Pour aller où? Sur un parking en pleine ville? Là quand même j'ai la vue, c'est calme. Je me dis pourquoi changer de coin. Mais je me tâte parce que ça fait quand même 2 jours que je suis ici et je risque d'en passer un troisième. Bon, je me balade de temps en temps entre 2 averses sur la plage. Je sais pas pourquoi il y a tous ces klaxons là. Vivant le soleil! Il est mort, le soleil! Bon, allez, j'ai fait le ménage. Au moins, voilà, à rester à rien faire, j'en ai profité pour faire le ménage. Comme ça, tranquille. Bonjour à tous. Ça y est, le soleil est revenu. Oh, ce matin, j'ai ouvert les volets et que j'ai vu qu'il y avait du soleil. Oh, ça m'a redonné le sourire parce que, alors là, 2 jours et demi de pluie, non-stop. Oh. Enfin, je suis bien contente, j'ai trouvé un petit spot là, juste pour manger ce midi, hein. Je vais pas rester là. C'est pas mal, hein. Voilà, Yellow est ici, hein. Et puis, regardez-moi ça, les pieds dans l'eau presque, hein. Il y a juste à descendre. Et voilà. Ouais, j'ai mis le parapluie à sécher parce que j'arrive pas à le faire sécher. Donc, je suis bien contente, ce petit spot. Là, par contre, pour y venir, le chemin... Il y a des flaques de partout, mais je suis quand même passée. Maintenant, il faudra faire le retour. On a des cactus, ils sont fleuris, ils sont pas mal. Voilà, allez, je vous montre ça. Petite sieste sans dormir, mais en regardant simplement le cadre. Voilà, et elle est pas belle la vie avec une petite brise. Oh là là, je revis avec le soleil, je revis. On attrape rêve. Voilà, j'ai trouvé ma petite place pour ce soir. Je sais pas si vous allez voir d'ici. Yellow. Ah si, il est là, je crois, hein. Par là. Hein. Donc un petit coin sympa. C'était difficile parce que beaucoup de parking en dur. Maintenant qu'il pleut plus, c'est pas mal. Hein. Et puis là, j'ai trouvé celui-ci là au bord de l'eau, sur du sable. J'espère que je vais pas m'enliser.
On verra, hein. Et puis voilà, maintenant petite balade sur la plage. La mer est en train de monter tout doucement. Et puis après, ben, je vais faire un petit peu de montage quand même. Il faut bien que je puisse vous mettre les vidéos en ligne quand même. Bon, allez, à tout à l'heure. Et ouais, journée bronzette. Ça fait du bien. Regardez un petit peu le cadre. Ah, c'est tranquille, hein. Ah, ça fait du bien. Allez, petite sieste. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y réponds à chaque fois. Surtout, n'oubliez pas de mettre le pouce. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, pensez à vous abonner, juste là. Et oui, ça permet de vous avertir lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Alors n'hésitez pas. Eh bien, portez-vous bien, vadrouillez bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et ciao !